بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض Cours de français présenté par M. Ranem Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 9 mars 2018. Programme de troisième année primaire. Livre de lecture, page 62. Page 62. Page 62. Je m'entraîne. Je m'entraîne. 1. Sépare les mots pour trouver la phrase. N'oublie pas la majuscule et le point. Je répète. 1. Sépare les mots pour trouver la phrase. N'oublie pas la majuscule et le point. Je sépare les mots Zineb. Donne des œufs à sa maman. La réponse Zineb donne des œufs à sa maman. Je répète la réponse. Zineb donne des œufs à sa maman. Je n'oublie pas la majuscule au début de la phrase et le point à la fin de la phrase. Je répète la règle. Une phrase commence toujours par une majuscule et se termine par un point. Zineb donne des œufs à sa maman. Exercice numéro 2. Avec ta, ton camarade, lis la cantine, puis montre les animaux sur les dessins. Je répète. Exercice numéro 2. Avec ta, ton camarade, lis la cantine, puis montre les animaux. Sur les dessins. Les animaux de la ferme. Qui est blanc et frissonnant Le petit agneau. Les animaux de la ferme. Qui est blanc et frissonnant Le petit agneau. Qui est rapide et zigzagant Le petit lézard. Qui est rapide et zigzagant Le petit lézard. Qui est blanche avec des taches La vache. Qui est blanche avec des taches La vache. Qui est fort et redoutable Le taureau. Qui est fort et redoutable Le taureau. Qui est grise et pas docile La petite souris. Qui est grise et pas docile La petite souris. Qui a des épines pointues Le hérisson. Qui a des épines pointues Le hérisson. Qui saute et mange des carottes Le lapin. Qui saute et mange des carottes Le lapin. Je répète la lecture de la cantine, les aliments de la ferme. Qui est blanc et frissonnant Le petit agneau. Qui est rapide et zigzagant Le petit lézard. Qui est blanche avec des taches La vache. Qui est fort et redoutable Le taureau. Qui est grise et pas docile? La petite souris. Qui a des épines pointues? Le hérisson. Qui saute et mange des carottes? Le lapin. Je montre les animaux sur les dessins. Voici un petit agneau blanc. Voici un petit agneau blanc voici un lézard vert un petit lézard vert voici une vache avec des taches voici une vache avec des taches voici un taureau fort voici un taureau fort voici une petite souris grise voici une petite souris grise voici un hérisson avec des épines pointues un hérisson avec des épines pointues voici un lapin qui mange des carottes voici un lapin qui saute et qui mange des carottes je répète les dessins un petit agneau blanc, un petit lézard vert, une vache avec des taches, un taureau fort, une petite souris grise, un hérisson avec des épines pointues et un lapin qui saute et qui mange des carottes. 3. Écris le mot qui correspond à l'image. 3. Écris le mot qui correspond à l'image. Voici l'image d'un taureau. Voici l'image d'un lapin. Voici l'image d'une poule. Je répète. Voici l'image d'un taureau. Voici l'image d'un lapin. Voici l'image d'une poule. Sonia donne du foin haut. Taureau. Sonia donne du foin au taureau. Je n'oublie pas la majuscule et le point. Oncle Slimane donne des carottes au lapin. Oncle Slimane donne des carottes au lapin. Attention à la majuscule au début de la phrase et au point à la fin de la phrase. Zineb donne des grains à la poule. Zineb donne des grains à la poule. La majuscule et le point. Une phrase commence toujours par une majuscule et se termine par un point. Je répète l'exercice numéro 3. 3. Écris le mot qui correspond à l'image. Sonia donne du foin au taureau. Oncle Slimane donne des carottes au lapin. Zineb donne des graines à la poule. Zineb donne des grains à la poule. Exercice numéro 4. Recopie dans ton cahier les mots dictés. 4. Recopie dans ton cahier les mots dictés. ا بف ا بف ا و ا و الحمد لله رب العالمين